Son projet, il l'a déjà bien en tête. Et l'ancien musée Guimet, Frédéric Vialet, le rêve aujourd'hui en music hall. Le public est attablé, donc un petit peu comme le Moulin Rouge ou comme l'était le Cotton Club. En tout cas, il voit grand, une salle de 1000 couverts sur près de 4000 mètres carrés avec un souhait, recréer le Palais d'Hiver, salle mythique s'il en était une à Lyon. De 1930 à 1988, les plus grands y sont passés et Lyon y a gagné une place dans la musique. C'est évident que la musique et la danse auraient une place à tenir dans un projet comme celui-là. Pourquoi pas imaginer que de décentraliser le Crazy Horse à Lyon pendant... Moi, je suis persuadé que ça fonctionnerait. En attendant, le bâtiment est toujours occupé par une partie des réserves du musée des Confluences. Fermé au public depuis 3 ans, propriété de la ville, son avenir est encore indéterminé. D'autant qu'au cœur du 6e arrondissement, l'emplacement est stratégique ou sensible, c'est selon. Quoi qu'il en soit, rien n'est décidé. On peut trouver le projet enthousiasmant, et c'est le cas, et en même temps être conscient des contraintes qui pèsent sur le lieu et sur ce type de projet. Reconvertir l'antre de l'histoire naturelle à Lyon en salle de music hall. L'idée est farfelue sans aucun doute, mais aussi très séduisante, car c'est un fait, personne à Lyon n'a oublié les grandes heures du Palais d'Hiver il y a près de 30 ans.